Docteur Chergallo, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Et vous venez de présenter votre thèse de doctorat sur les paradoxes de la gouvernance démocratique dans les pays d'Afrique francophone, approche néo-institutionnelle et stratégique, avec pour problématique comment passer de la démocratie formelle à la démocratie substantielle. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ces travaux de recherche? J'ai voulu démontrer que il n'y a pas que la démocratie au sens politique, mais aussi il y a la démocratie au sens social et économique. Et que de plus en plus, la routinisation des élections font que les élections sont devenues un acquis, même si elles sont contestées plus ou moins. Mais par contre, la démocratie matérielle, la vraie, sur l'intérêt des populations, c'est là où se situe l'ancrage. C'est pour cela que je parle de la démocratie vers le haut à la démocratie vers le bas. C'est toute la centralité de ma thèse qui a été développée ce matin avec la mention que vous connaissez. Très honorable. Mention très honorable et un exercice qui n'a pas été du tout facile avec non. Les membres du jury. Non, il y a des sommités intellectuelles avec leur sagesse et leur expérience. Et il y a aussi l'impétrant que je suis. Je me suis défendu jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde. Et merci. Quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, c'est la recherche, l'enseignement supérieur, la consultance. Et avec une nouvelle légitimité scientifique et intellectuelle, c'est changer un peu d'orientation. Voilà. Docteur Cheikh Diallo, merci.